Bonjour, nous poursuivons ici le plan d'étude d'une fonction f, donc fonction réelle d'une variable réelle qui a x associé y égale f de x. Nous avons commencé le plan d'étude avec la première étape, domaine de définition, deuxième étape, parité et dans le cas particulier de certaines fonctions trigonométriques d'ailleurs, périodicité. Passons maintenant à la troisième étape, zéro et signe d'une fonction. Donc ce qu'il s'agit de faire ici, c'est rechercher les zéros. En l'occurrence, les zéros sont par définition les solutions de l'équation f de x égale 0. Ce qui va nous donner ensuite z indice f, c'est-à-dire qu'on regroupe là-dedans l'ensemble des zéros de la fonction, et je peux évidemment que ce soit l'ensemble vide. Alors, les zéros, en particulier, on va les retrouver sur la représentation graphique. Ce sont les points qui coupent l'axe OX. Les points où la représentation graphique de f coupe l'axe OX. Voilà, et ce sera les solutions justement de l'équation f de x égale 0. Ce qu'on fait ensuite comme étude du signe de la fonction, c'est un tableau avec les différentes valeurs et le signe correspondant de f. Alors bien sûr, peut-être la particularité, si dans df on a une valeur qu'on a dû éliminer, ce serait par exemple df égale r moins le singleton 2, alors la valeur 2 doit systématiquement figurer dans ce tableau de signes et dans les tableaux qui suivent. Voilà pour cette étape 3. L'étape suivante consiste en l'étape 4, recherche d'asymptote, avec, comme on avait parlé, d'abord la recherche d'asymptote verticale. Si on a un point de discontinuité, typiquement un df qui vaut r moins le singleton a, alors la valeur a figure dans le tableau, on l'avait dit, dans le tableau de signes, et on va faire une recherche, une limite pour x tendant vers a de f de x, avec deux types de résultats possibles. Soit on obtient un nombre, b, soit on obtient l'infini. Dans le cas où on obtient B, alors il n'y a pas d'asymptote verticale. Dans le cas où c'est infini, alors la droite X égale A est asymptote verticale. L'équation X égale A est asymptote verticale. Ensuite, on fait une recherche d'asymptote horizontale ou oblique, ou affine, qui revient au même. Peut-être préciser d'abord que je reviendrai sur ce point avec ici ce qu'on appelle éventuellement un point limite. Donc il faudra étudier à ce moment-là le comportement de la fonction en étudiant la limite de f'. Recherche d'asymptote horizontale ou oblique. Alors on prend une limite pour x tendant vers l'infini de f de x avec deux résultats possible, soit on obtient un nombre c, soit on obtient l'infini. Si on obtient c, alors la droite d'équation y égale c est asymptote horizontale. Si on obtient l'infini, alors on poursuit le calcul avec limite pour x tendant vers l'infini de f de x sur x avec trois résultats possibles, soit on a 0, soit on a m qui appartient à r étoile, donc différentes 0, soit on a l'infini. Si on a m qui appartient à r étoile, alors on poursuit le calcul avec une limite pour x tendant vers l'infini de f de x moins mx, avec à ce moment-là, je l'écris en dessous, deux résultats possibles, h ou l'infini. Si c'est h, alors on peut conclure avec y égale mx plus h, qui est l'équation d'une droite, qui est en fait une asymptote oblique ou affine. Dans les autres cas, on a ce qu'on appelle des branches paraboliques. Ici, c'est d'abord une branche parabolique horizontale, donc une fonction qui a une très faible croissance, mais on va quand même vers l'infini. Ici, on a une branche parabolique verticale, très forte croissance, ou très forte décroissance, bien entendu, ça peut aller dans l'autre sens aussi. Et ici, une branche parabolique oblique, c'est une situation un petit peu comprise entre les deux. Voilà pour ces branches paraboliques et pour les asymptotes. Le point suivant de l'étude de la fonction est le point qui est vraiment crucial. C'est la détermination de la dérivée première, et de manière à pouvoir déterminer la variation de la fonction. Donc il s'agit d'établir f' à l'aide des différents théorèmes dont nous avons parlé pour pouvoir dériver la fonction, première étape. Deuxième étape, calculer les zéros de f'.
donc les solutions de l'équation f' de x est égale à 0, puis étudier éventuellement le signe de f'. On peut aussi le faire directement dans le tableau de variation après. On peut bien entendu faire ici un tableau avec le signe de f' pour déjà dégrossir un petit peu le travail pour la variation après. Bien sûr, comme auparavant, si j'ai un r moins le singleton a dans le domaine de définition, alors la valeur a doit figurer dans le tableau, et puis à ce moment-là, elle sera impossible pour f et impossible pour f'. Il faut aussi être attentif au fait qu'on a parfois des valeurs qui appartiennent au domaine de définition de la fonction, mais qui n'appartiennent pas au domaine de définition de la dérivée. Typiquement, une fonction comme f de x égale racine de x plus 3. Son domaine, c'est l'intervalle fermé à gauche, moins 3 jusqu'à plus l'infini. Par contre, f' de x est égal à 1 sur 2 fois la racine de x plus 3. Et à ce moment-là, le domaine de f', c'est moins 3 jusqu'à plus l'infini. Donc, dans ces cas-là, on précise éventuellement le domaine de f' et on en tient compte surtout dans le tableau du signe de f'. L'étape suivante, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci avec la dérivée seconde, de manière pour déterminer concavité, convexité. Donc à partir de f', on détermine f seconde. Au besoin, on retravaille juste f' pour avoir parfois plutôt une somme qu'un produit et tout ça. Ensuite, on détermine les zéros de f seconde, donc les solutions de l'équation f seconde de x égale à 0, et un tableau du signe de f seconde. L'étape suivante consiste en un tableau de variation. Donc on fait ici un tableau assez complet, ce qui nous permet vraiment de vérifier la cohérence de l'étude. On prend un tableau avec x, là on va mettre les différentes valeurs, x1, x2, x3, etc. Une ligne pour f', une ligne pour f seconde, et enfin une ligne pour f. Dans ce tableau, on place les résultats qu'on avait des signes de f', f seconde qu'on a obtenus dans les points 5 et 6. Si par exemple j'ai ici négatif, nul, positif, nul, positif, nul, négatif, alors j'ai une fonction qui est décroissante, puis croissante, j'ai donc atteint ici un minimum. Elle est à nouveau ici croissante, puis décroissante, j'ai atteint ici un maximum. On observe juste que en x2, la dérivée première s'annule mais ne change pas de signe, donc je n'ai formellement pas un maximum ou un minimum. J'ai un point à tangente horizontale. J'ai une fonction qui est croissante, tangente nulle, et qui reste encore croissante. C'est un point à tangente horizontale. Ensuite, j'ai f seconde. Alors ici, f seconde serait probablement quelque chose de ce genre-là. Pour avoir ici une fonction qui soit convexe, en accord donc avec la présence du minimum, ici une fonction qui soit concave, en accord avec la présence du maximum, donc ici un point d'inflexion, et on a bien à faire un point d'inflexion à tangente horizontale dans ce cas-là. Voilà pour ce tableau de variation avec les différentes situations qui peuvent se produire, mais bien sûr, si on a ici plus l'infini, alors après, la fonction ne peut être que décroissante. Si on a également, ce qui n'est pas obligatoirement le cas, bien sûr, mais si on a ici un moins l'infini, alors la fonction ne peut être que décroissante pour arriver vers moins l'infini. Ça nous permet de vérifier la cohérence de notre étude. Ça, c'est un point très, très important.